ma bouche peut. Alors bottez-les avec les pommes qui sèchent et ayez l'air de sortir du salon. Le plat a fabuleux instantanément. Il est maintenant facile de créer des coiffures. T'es malade? Qu'est-ce que t'as? La ferme! Oh mon Dieu, faites que ça arrête! Est-ce que ça va? Ne t'approche pas de moi! Il faut pas... Désolé, t'as oublié tes affaires. Aide-moi! Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de me regarder comme si j'avais chié sur la tête de ta mère? Je m'excuse, j'essaie juste de comprendre ton histoire. Et est-ce que tu y arrives? Admettons que je crois que tout ça soit vaguement possible. Tu dois être coincé dans cette journée pour une raison. Ok, de tous les jours de ta vie, faut savoir pourquoi celui-ci est spécial, pourquoi il est important. J'en sais rien, c'est... Papa. C'est vraiment ta fête? Ouais. Allô? Et alors? Les anniversaires sont juste une excuse pour ouvrir des cadeaux et manger du gâteau. Le jour de notre fête n'a rien de significatif. Non, c'est symbolique. Ok? Celui qui veut te tuer sait que c'est ton anniversaire. Ok. Donne-moi la liste de toutes les personnes qui savent que c'est ta fête et... Il y en a une qui est le tueur. Eh bien, grâce à ma sororité, à peu près toute l'école sait que c'est ma fête. Seigneur, elles me font ce stupide party surprise ce soir. Ça peut littéralement être n'importe qui. Mais qui a un mobile? Ok, c'est peut-être Daniel. Ok. Semblerait que j'ai embrassé un gars qu'elle aime bien devant elle hier soir. Oh. Sûrement plus tôt pendant le party. Grosse soirée. Ok, monsieur, je vais me ramener cette fille sous le chez moi et profiter d'elle à fond. Me juge pas. Je veux que ça soit clair. Je n'ai pas profité de toi hier soir, ok? J'ai dormi dans le lit de Ryan. Alors, on a pas... Non! T'étais complètement saoule! J'avais peur que tu tombes ou que tu t'étouffes avec ton vomi comme Janis Joplin.